Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte assez rapide. Enfin pas une carte, vous allez voir, c'est un carré où on peut mettre des photos dedans. Donc c'est un petit cube. Alors vous allez avoir besoin d'une feuille qui mesure 21 par 28. Alors du coup je coupe à 28 parce que j'ai déjà les 21. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de plier. Alors, je vais plier à 7 et à 14. À 14. Voilà, et ici pareil, c'est tous les 7. Donc 7, 14, 21. Voilà, vous voyez mes traits? Donc maintenant, on va venir simplement couper les extrémités. Voilà, juste les trois là. Mais surtout pas le milieu. Alors, du coup. Donc, je viens me remettre comme il faut. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, on va pouvoir venir marquer nos plis, tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous allons venir mettre du joli papier décor. Donc, comme chaque case mesure 7 par 7, vous allez couper 6,5 par 6,5. Donc, moi, j'ai choisi ce qu'on m'avait envoyé. Donc, voilà, cette collection-ci. Et du coup, ben, moi, je vais faire effet bois à l'intérieur avec un petit peu sur le thème marin. Voilà, on est bientôt... au bord de mer. Donc là, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 morceaux de 6,5 par 6,5. Donc vous pourrez mettre des photos de 6 par 6. Enfin, vous les recoupez. Enfin voilà, c'est un petit cube sympa pour l'été, pour partir ou même pour mettre tout simplement sur un buffet. Donc là, je coupe mes 12 carrés. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai tout coupé. C'est pour vous faire voir. Maintenant, je vais coller. Je colle hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout collé. Donc en fait, le but, ce sera de venir faire comme ceci. Alors, vous pouvez décorer, moi je décore pas, justement, je laisse la boîte brute. Et là, nous allons faire le couvercle. Alors, il vous faut, alors moi j'ai choisi celui-là, un morceau qui fait 13,2 par 13,2. Alors, 13,2. Voilà. Par 13,2. Voilà. Et vous allez venir plier à 3 cm de chaque côté. Voilà, 3 cm, on tourne la feuille.
d'un quart de tour, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, moi, j'ai fait mes clés. Je vais peut-être le faire voir comme ça. Oui, on les voit là. Là, ça fait un carré. Donc, les carrés, on les laisse pour les vignettes. On va tout simplement couper au ciseau pour aller plus vite. Voilà. Alors, je vais couper comme ça. Je cherche la... En fait, sur du foncé, on voit mal. Voilà. Et ensuite, je viens faire comme ceci. Voilà, vous voyez. Et je vais venir faire ça partout pareil. Donc là, voilà. Alors, un haut. Et en bas, enfin après ça c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez, parce qu'il va venir coller sur le côté de toute façon. Donc je vais venir faire pareil ici. Donc l'idée je l'ai trouvée sur Pinterest, hein. Je trouve toutes mes idées moi de toute façon sur Pinterest, c'est pas compliqué. Voilà. Donc là, nous allons venir marquer nos plis. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et on va venir coller les languettes. Voilà. Tac. Voilà. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, hop, voilà. Et voilà, ça fait notre jolie boîte. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!